Bah, c'est vous qui ne respectez pas. Récent, mais vous ne vous entendez pas ou quoi? Ça fait des mois qu'on se bat, monsieur. Récent, sérieusement. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, vous j'appuie. Comme... Voilà. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Bah, je dis que cette revendication, ça fait quand même des mois qu'on demande un plan massif de soutien pour la culture. Donc, vous ne pouvez pas arriver et dire, tiens, c'est récent. Non, ou alors, vous habitez sur une autre planète, monsieur. Non, je n'habite pas sur une autre planète, monsieur. Ah, bah, vous me rassurez. En tout cas, il y a 2 milliards pour la relance dans le domaine culturel. Donc je vous demandais simplement comment ce milliard se positionne par rapport aux 2 milliards que la ministre a indiqué débloqués pour la relance dans le domaine culturel. Voilà. Parce que vous savez bien que le domaine culturel il est vaste et qu'un milliard c'est pour le spectacle vivant. Je vous demandais 1 milliard pour le spectacle vivant. Donc on avance. Et comment gérer les prochains bouchons de la création, surtout quand en Loire-Atlantique on sait très bien qu'il y a quand même énormément de culture. Oui, tout à fait. Les créations. Bah là, on passer à venir, nous, comment on a des solutions si on veut créer un spectacle aujourd'hui? Alors là, sur la question du plan de relance, hein, puisque moi j'ai écrit aussi Navi, je reçois bientôt la SCC, je reçois bientôt aussi la Fédération Régionale des Arts de la Rue. On se voit pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc on a débloqué un premier 2 millions d'euros pour l'aide aux lieux, aux tiers-lieux et puis aux compagnies. Et on va débloquer une deuxième tranche de moyens pour les compagnies qui jusqu'ici n'étaient pas aidées par l'État au titre de la création. Donc ça, c'est les réponses en région. Mais il n'y a pas que les compagnies, il y a les travailleurs et travailleuses aussi. Oui, bien sûr. Et il est question d'une reprise en 2022, mais tous les gens ne pourront pas retravailler à ce moment-là, n'auront pas leur compte d'heure. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est que vous poussiez pour qu'une année blanche
soit faite du moment qu'il y a une reprise normale de l'activité. Parce que si une reprise normale n'est qu'à l'aune de 2022, il faudra alors que tout se remette en marche et pour que les travailleurs et travailleuses, on ne parle plus de compagnie, on parle de personnes, puissent être sécurisés dans leurs droits sociaux, tous ces droits-là, un an après une bonne reprise. Alors, vous le savez, moi, je n'ai pas les moyens, effectivement. De rémunérer en direct des artistes. Coron a rendu son rapport, vous l'avez vu, il y a deux grandes propositions. Hein. Mais en tout cas, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas un intermittent qui resterait au bord de alors la route. Vous préférez laquelle, vous, monsieur le Boris, de proposition de monsieur? Alors moi, je sais laquelle vous préférez. Alors allez-y, dites-nous. Sans condition. Dites-nous. On vous pose la question. Eh bien, c'est celle-ci. Eh bien, il n'y en a pas de sans condition dans le rapport si, de monsieur Goron. Mais bah, si, oui, il y en a une de l'année blanche, reconduction de l'année blanche sans condition. Et après, il y a une proposition qui, effectivement, est plus dans la dentelle par rapport à différents secteurs, ce dont vous ne voulez pas, si j'ai bien compris. C'est pas ça du tout. Ouais. C'est dommage, c'est pas ça du tout. En tout cas, bon, l'année blanche à suivre, puisque maintenant je crois que les discussions ont commencé avec vos représentants au niveau national, ou pas. À la place du CNPS, il y a eu un échange avec la directrice des affaires sociales de la ministre de la Culture et directeur de cabinet et directeur de cabinet de la ministre du Travail. Bon. On a juste réexposé ce qu'on demande depuis, comme ça a été dit, un petit paquet de mois. Normalement, voilà. On devrait être une journée de CNPS, c'est-à-dire on devrait avoir des choses ce soir qui nous sont dites relativement claires. C'est reporté pour la troisième fois. Ouais. Mais à un moment, il va falloir que vous aussi, vous décrochiez votre téléphone et que vous disiez en votre nom à vous, directeur de la DRAC, ça suffit maintenant. Moi, je ne peux plus tenir correctement mes fonctions parce que les intermittents, ils viennent me voir tout le temps pour me poser la même question. Ou alors, monsieur le Boris, à quoi ça sert un directeur de DRAC? Il va falloir à un moment que vous le disiez parce que ça ne suffit plus. Ça suffira plus, ça va pas le faire, vous le savez bien. Et le rapport Goron, on l'a décrypté, il se trouve qu'on l'a décrypté hier, et on sait très bien qu'il va y avoir des gens qui tombent au bord du chemin. Voyez-vous, on ne le croit pas qu'il y aura personne, parce qu'on nous l'a déjà dit, on nous a fait le coup en 2003, on nous a fait le coup en 2008, on nous a fait le coup en 2014, et on nous refait le coup, et nous on sait compter. En 2003, on nous avait dit personne sur le bord du chemin, 30 000 personnes sont sorties de nos métiers. Donc là, on prévoit 50 000. J'espère qu'on va se tromper. Mais monsieur le Bourris, à un moment, il va falloir que vous soyez là je sur le pavé avec sincèrement nous. Sincèrement que vous. Pour nous dire. Je le souhaite aussi sincèrement que vous. Eh bien alors dites-le. Que l'on se trompe et que effectivement, la décision qui sera prise suite à aux deux propositions du rapport de monsieur Goron soit la bonne et que ça ne laisse personne au bord mais du chemin. Mais aucune des propositions de monsieur Goron ne nous satisfait. Aucune. Mais maintenant, il y a une discussion qui s'engage avec vous. Il va falloir que vous preniez le même engagement qu'a pu prendre le directeur de la Direct en se mettant au-dessus de la pancarte non à la réforme de l'assurance chômage. Et bien vous, allez peut-être là, que vous pouvez... Là. Voilà, 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 voilà. J'ai rendez-vous, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, avec le CINAVIS, hein, le SCC, la Fédération des Arts de la Rue, et nous allons parler de ce deuxième plan de relance un pour les compagnies. C'est compagnies. Quoi le budget, un plan quoi de le budget sera d'environ 700 000 euros. 700 000 euros en Pays de alors la Loire vous oui. Alors qu'on vous demande 1 milliard. En tout. Ouais, mais tout, vous ne demandez tout, pas tout, moi 1 milliard, vous demandez 1 milliard. On demande tout. Vous demandez 1 milliard en tout. Au ministère de la Culture. Donc c'est 700 000 là que vous déclarez aujourd'hui. 700 000, oui, c'est 700 000. Ah, d'accord. Les moyens dont je dispose, c'est 700 000 euros. D'accord. Oui. Et les critères d'attribution alors enfin, ça sera. Pour le moment, ben, on va en discuter avec les. À la pêche, quoi comme ça. Non, pas du tout. Il y aura un appel à projet, madame. Ah. On va faire. Ah, on va faire. Ah, ouais, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que c'est encore ceux qui sont déjà hyper bien structurés pour pouvoir nous appeler ici. Et la jeunesse, qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que vous pensez proposer pour les primo-accédants, pour les jeunes artistes qui vont sortir d'école là? Tous ceux qui n'ont pas de quoi passer des heures à répondre à un appel à projet, en fait. Alors, dans le premier plan de relance, il y a eu un axe très important sur l'insertion des jeunes diplômés. Et avec, effectivement, excusez-moi, pour entrer dans le détail, le terme va vous faire hurler, une bonification en termes de subvention pour les projets qui, effectivement,
intégrer des jeunes diplômés issus des écoles d'enseignement du spectacle vivant. Et c'est le principe même de l'appel à projet, en fait. C'est le système même qui est mis en place. Quand vous disiez tout à l'heure que vous étiez là pour appliquer la politique culturelle, nous on aimerait que des personnes comme vous influent sur la politique culturelle. Même si je sais que vous êtes un exécutant, il faut dépasser ce statut pour que vous aussi, fort de votre expertise de territoire, vous alliez au-delà et vous remettiez en cause le système tel qu'il est proposé. Parce qu'encore une fois, un appel à projet, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est vous, le politique, et éventuellement les services, vos services, qui décident de qui peut être financé ou pas. Ce qui serait intéressant, c'est d'accueillir tout projet sans condition, et ensuite, qu'on en discute entre nous pour voir. L'appel à projet, ça gangrène tous les secteurs d'activité. Ça gangrène tous les secteurs. C'est vous qui décidez, ça va aller là, ça doit avoir quelle couleur. Et nous, on n'est plus notre propre métier, on ne décide plus de ce qu'on a le droit de faire ou non. Et si on rentre pas dans artistiquement. Sur ce deuxième appel à projet, bien sûr, il n'y aura pas de critères artistiques. Nous vérifierons, oui. Vous vérifierez, et ça sera des critères économiques et d'emploi artistique, de façon à ce qu'il y ait effectivement... D'ailleurs, l'objectif du premier appel à projet, c'est effectivement de renforcer l'emploi artistique, la reprise artistique et l'emploi artistique. Et le second, ça sera sans critères artistiques, et effectivement pour les compagnies qui présenteront des projets intégrant effectivement leurs difficultés économiques et la façon d'y remédier. Et en tant que petite compagnie, on n'ose même plus répondre à vos projets, puisqu'on sait qu'on va être boulé. Ça fait trois fois qu'on est boulé. On n'ose même plus, c'est méprisant. C'est méprisant, oui. On passe plus de temps à écrire les appels à projets qu'à travailler, en fait. On passe un temps fou à répondre pour un projet, et maintenant il faut pouvoir répondre à cinq appels à projets pour pouvoir financer un seul projet. Donc, si vous croyez, on vient pas que pour faire une belle mise en scène, là. Si on fait ce genre de choses, on en parlait tout à l'heure, c'est pour provoquer ce fameux dialogue, pour aussi être derrière vous, devant vous. Il y a plein de soirées à thème de discussion. Ouais, voilà, avec vous. On peut discuter, on peut choisir le thème ensemble si vous voulez. De manière plus posée. Et on discutera. Bah oui. J'ai demandé. Jeudi prochain à 18h. Mercredi prochain à 18h. Mercredi prochain à 18h. Semaine d'après. Si vous voulez nous donner un coup de main, vous venez dans les 24 heures. Parce c'est que vrai. Dans 15 jours, 3 semaines, les décisions ministérielles, je vous dirai, on ne peut plus rien faire. Faites un effort. Est-ce que c'est bon pour vous demain soir? Est-ce que c'est bon pour vous demain soir? Demain soir, ouais. Aujourd'hui, on était à la DRAC pour faire une action forte. On voulait une image forte qui soit relayée, et on espère, par nos amis les médias. Et je le dis de façon très honnête, qu'on trouve assez absent sur le sujet. En tout cas, plus trop maintenant. Et on veut vraiment les remettre dans la boucle avec nous. On faisait une action forte parce qu'aujourd'hui devait normalement se tenir le Conseil national des professions du spectacle avec les ministres du Travail et de la Culture. Et il a été pour la troisième fois reporté. Donc cela prouve pour nous en tout cas qu'ils n'ont pas grand-chose à nous dire. Ils ne savent pas quoi nous dire puisqu'ils ont, ils savent que ce qu'ils vont nous dire soit n'est pas satisfaisant, soit ils attendent que M. Macron leur donne l'autorisation de parler. Ou alors ils savent déjà que ce qu'ils souhaitent proposer va s'étaler dans le temps avec des aides qui vont être saupoudrées dans un long temps avec des gens qui vont continuer à vivre très difficilement. Je tire de cet échange globalement pas forcément des choses positives, je vous l'avoue, même si a priori on aura on va pouvoir, je crois, j'espère, se voir demain pour une réunion, mais une réunion pas fermée justement. Hein, une réunion ouverte à tous avec lui, puisque encore une fois, ce qu'on regrette et ce qu'on dénonce, c'est toute la structuration de la politique culturelle et des services qui émanent de la politique culturelle, c'est-à-dire de l'entre-soi, des petites réunions avec ce qu'on va appeler des experts, des gens qui vont décider que telle ou telle chose est bien artistiquement et quelque chose ne l'est pas. Et contrairement à ce qui a été dit, même si sur le papier on dit que c'est pour soutenir l'emploi
du spectacle. Dans la réalité, ce n'est pas l'emploi la première cause qui est de choix, même si peut-être en ce moment, oui, pour pouvoir relancer l'emploi dans le secteur du spectacle, mais les aides ne sont pas du tout suffisantes. Enfin, à l'échelle d'une région telle que le Pays de la Loire, 700 000 euros pour juste les petites compagnies qui ne sont pas déjà aidées, c'est ridicule. Donc on est là donc pour pouvoir discuter, mais on se rend compte encore dans ce qu'a dit le DRAC que la façon dont tu travailles n'est pas remise en cause. On est là pour appliquer une politique culturelle et que c'est biaisé dès le départ parce que la politique culturelle n'est pas bonne. Donc on ne va pas l'appliquer.